Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Mal dit pour nous, radio, télé, métronome, qui des fois fait faille, mais à 80%, je ne respecte pas. Mais des fois, elle fait faille. Dernièrement, elle fait deux failles. Ils font faille sous le Sid David, qui est ambassadeur du Venezuela. Ils disent que sous le Sid David, qui n'est pas vrai. Et deuxièmement, ils disent que Matéli court quitter les États-Unis. Je ne sais pas si Matéli a quitté les États-Unis, s'il n'a pas quitté. C'est beaucoup là. Mais ils disent que Matéli court quitter Miami. C'est Matéli, Miami toujours. Moi, je dis que je ne comprends pas bien ça. L'ambassadeur américain a eu à dire. Les bandits de grand chemin ainsi que ceux en col blanc seront sanctionnés par les États-Unis, a déclaré l'ambassadeur Denis Hawkins. Le diplomate qui s'exprimait ce mercredi au Cap Haïtien lors d'une interview avec les journalistes a affirmé que l'ex-président haïtien Michel Joseph Martelly est l'un de ces bandits à cavale. Qui ont causé de graves préjudices au pays, notamment par le trafic de drogue et le financement de groupes criminels. Actuellement, le gouvernement américain collabore avec les autorités haïtiennes pour identifier tous les bandits en costume, non caca, aussi bien dans le secteur privé que dans le milieu politique, en vue de les sanctionner. Laissez-moi vous dire, où est-ce que les blancs américains disent là? L'idée que c'est. Nous connaissons, Michel Martelly dit que tout ça, blanc dit sous lui, là, il va connaître. Mais même personnellement, je ne rentre pas trop. Monsieur Tapandim, ça me compte de Michel là, il me dit. Ça me compte de Michel là, il me dit. Ça me pas connaître, je ne pas dire. Mais là, c'est grave. Le gouvernement américain collabore avec les autorités haïtiennes pour identifier tous les bandits en costume, aussi bien dans le secteur privé que dans le milieu politique, en vue de les sanctionner. Pour moi, par contre, ni même avec nous, le gouvernement américain a collaboré avec les autorités haïtiennes pour identifier les bandits en costume. Aussi bien les gens qui sont dans le secteur privé, et les gens qui sont en politique, en vue de pour les sanctionner, c'est haïtien qui a bail blanc qui moun pour le sanctionner. C'est ça le dit. C'est ça l'ambassadeur américain dit. Il faut apprendre à copier ça le dit. Hein. Ça veut dire, c'est haïtien qui le dit si je suis si dangereux pour eux, si je suis candidat à la présidence, je suis dangereux pour eux, je vais dire l'endroit pour couler. Si son l'autre qui est dangereux pour eux, il y a besoin d'adversaires, craser pour d'adversaires, je vais le dire à l'endroit. Parce que l'ambassadeur américain hein, dit que c'est autorité haïtienne. Il y a peut-être là avec le baillon monde qui est dans l'endroit. Ça veut dire la justice haïtienne ne connaît pas le monde qui est dans l'endroit, mais les autorités politiques connaissent. Ça veut dire la justice n'a pas qu'à faire rien ni même. Il va pouvoir arrêter ou bien faire mandat pour le monde, la justice haïtienne, mais est-ce que vous voyez là, qu'on y a là, autorité haïtienne a bail américain, monde pour le sanctionner. Et tandis que vous n'avez pas la justice haïtienne, monde pour le sanctionner. J'espère que vous comprenez, ça va me dire. Maintenant, est-ce que Michel Martelly est dans le droit? Moi, je ne sais pas. Si on me demande de mettre le droit, moi et le Zénim, je me dis, premièrement, je ne m'entendais ça, je ne m'entendais pas. Si on a des bandits, on a des comme Sindalo, que Michel Baye, bandits, ça, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que l'on est président, je ne peux pas faire un café. Parce que je ne suis pas président. Mais même des sénateurs, je descends dans la caméra chaque jour. Mais pour qu'un bon pays, ou bien pour qu'un bon politique, je ne dis pas, je ne connais pas. À faire des bails, je ne peux pas faire. Je ne sais pas. Si on m'a dit que Michel Martelly est dans le droit, si on m'a dit que je ne sais pas.
Je pas connu Michel Langlois. Parce que je fais vim côté Michel dans le business, dans faire balle, dans faire ceci, dans faire. Si on est si Michel filme marijuana, je dis oui. Si le film n'est pas dans le président, je ne sais pas qu'on est. Parce que l'élève du président, il est perdu, on ne peut pas avec, coller avec encore. Parce que c'est le président de la République. Mais là, Michel, c'est Sweet Mickey. Sweet Mickey, oui, je connais, Sweet Mickey. Je suis Mickey bon pile. Et je connais Sweet Mickey, là, les types, et lui-même, il dit, qu'on a demandé si le président est filmé, je dis non, je ne sais pas si filmé devant. Comme président de la République. Je ne vais pas parler pour allonger pour la fumer. Je ne vais pas dire. Mais si on dit, est-ce que Sweet Mickey, je dis oui. Et après, je ne vais pas dire que fumer. Mais toi, quand tu es dans le diable, tu es fumé. Je ne vais pas dire que tu es fumé. Je dis toujours blanche, je dis toujours bien en forme. Je dis high grand ma propre, je dis que tu es fumé. Je dis toujours pareil. Je ne vais pas dire que tu es fumé. Parce que les gens qui fument, ou est excitation, ou est l'homme là, ou est bah là. Moi, tu dois toujours poser, moi, tu dois faire bah, normal, est-ce que vous comprenez? Mais, il dit que 3-4 artistes fumés. Il dit 3-4, comme pas dit tout. Il dit, les gars, les petits joueurs, il y a des gens qui parlent trop loin, ils ne parlent pas de crack, non, marijuana, qui pas mal. Mais écoutez, mais maintenant, le, m'a regardé, tout en bien, c'est bien sur Facebook ou bien sur TikTok ou bien mon cap joué. Nous avons une dimension pour nous comprendre que ce qui est en train d'arriver à Michel Martelly, c'est nous autres aussi qui le vivons, nous tous haïtiens. Il y a mon gars qui vole, assassin, arrêté. Non, c'est nous tous. Parce que c'est notre ancien président de la République. Regardez ça, la République, Leonel Fernandez fait là. Sans que pas même. Avancer dans le dossier, Léonel Fernandez ou remettre et trophée ou bien qui ça le débat, qui était distinction, une plus grosse distinction en République Dominicaine. Ce n'est pas une honte seulement pour la famille Martelly ou bien PHTK ou bien et Michel Martelly personnellement, c'est une honte pour Haïti aussi. Maintenant, est-ce que nous-mêmes dans la République, hein, nous avons gardé, je n'ai pas gardé là. Et je dis, je me suis dit que si l'équipe de Michel Martelly, le monsieur qui s'appelle Liné Baldassare, qui est soi-disant le président du parti PHTK, qui a quitté à maltraiter Michel Martelly net, tout le bagage dit, il est d'accord, comme si la République crasait seulement sur Michel Martelly. C'est à partir de Michel Martelly que la République crase. La République crase en 2020. La République pas crase en 2012, en 2013, en 2014. La République commence à craser en 2020. À partir de 2-3 mois loc. La République commence à craser. Et c'est laissé à vite l'homme commence à grandir. Et c'est laissé à tout le monde. Et jusqu'à ça, comment il s'appelle Barbecue qui est devenu aujourd'hui très méchant. Parce que l'on a gardé Barbecue aujourd'hui avec Barbecue, c'était 2019. Là, il y a deux mondes différents. 2019, Barbecue t'a dit pas de voler, il n'y a pas contre ceci, pas contre cela. C'est Pierre Espérance qui l'a. Et c'est Pierre Espérance qui l'a gagné Barbecue dans sa vie, qui fait le vin s'allier aujourd'hui. Bon, c'est un choix aussi, la vie, c'est un choix. Vous êtes à courir qui débile, c'est le même ou Baïvan, ou Altavay, ou Baïvan. Vous choisissez Kotoyato. Kounia qui paraît retour en arrière. Quand vous regardez les barbecues, à parler, tu vois la haine dans le visage et dans la parole. Et où est son monde, et comme si Nadou, son lion, il met en dedans, en cage, et puis il va en bas manger. Donc les récits vont en arrière, la rage. La main est boudée à tout le monde. Donc il faut aller bah, en profondeur pour la regarder. Maintenant, le même texte là, le même ça que Yodou là, et dit Michel Martelly, soit dit les drogues, Michel Martelly était passé, il dit tout que Baba et Nexayo, il dit ça pour Lambert, pour Yuri, pour Eko, il dit que Baba et Nexayo, maintenant,
c'est pas bien. Ils sont pression pour nego camper bêtise que y a fait. Et le même dit dans le texte, si on a regardé, que y a quand même retiré à l'avenir. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, même moi, je ne sais pas. C'est dommage pour un ami, quelqu'un que j'ai côtoyé pendant plus que 20 ans, 25 ans, 30 ans. Quelqu'un qui était toujours la jeunesse, moi, toujours là. Et pour moi, je dis à la, c'est dommage que c'est comme ça. On est président du pays, font parcours bien, belle comme ça. Soit côté ou soit à pour venir président. Abdesan Batalon, on va aller pour venir président du pays. Et puis maintenant, c'est comme ça que les gars. Mais je me suis dit aussi que l'équipe de Michel Martelly a contribué beaucoup dans ça. Parce que Michel Descartes fait politique en Haïti. Michel Descartes a empêché gang de augmenter. Dans qui sens, même l'autre de la vie, gang Michel, gang Michel. Écoute, si Michel pourri, m'a pas gang. Si Michel était Haïti, parce que t'as un gros politique qui t'a musique en côté, ou bien on change net. Ou alors musique en net, ou quitter politique. Maintenant, lorsqu'on vous dit que vous avez volé 4 milliards de dollars, et puis vous ne dites rien. Ah mais qui ne dit rien comme ça? Donc il vient de problème. Il vient de toute équipe sous côté au problème. Et c'est ça que je fais un an. Ma target, Michel, des fois quand il y a des médias, je me suis dit, je ne vais pas parler, parce que si je parle, sans me dire, on me va reprendre pour l'autre bagaille que je ne vais pas dire, je ne vais pas parler. Je dis, mais c'est pas où je vais dire, non, je dis là. Ou qu'il y a une équipe pour parler. Alors on regarde la radio Caraïbe, il capte une émission. Et puis il dit que Michel Martelly vole 4 milliards de dollars. Et ça dit que c'est 1,8 ou bien 2,1 milliards de dollars dépensés dans le corps de Caraïbe. Parce qu'il y aurait même comme chaque temps. Et puis nous sommes d'accord. Ou pas d'un. Et bien, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est douloureux. C'est douloureux pas seulement pour la famille Martelly, PHTK, mais c'est douloureux pour Haïti aussi. Parce que c'est le monde qui a parlé de l'ancien président. Pas oublier que nous disons que sous président Aristide, il était fait même bagaille. Blamé était fait même bagaille. Il était sabat à tout le monde qui côté Aristide. Et jusqu'à jour, il y avait de ma part là, voilà. Après ce que Bali l'a souhaité, Aristide pas aux États-Unis. Jusqu'à ce que ma part là, voilà, souhaité, par contre, Bali l'a souhaité. Il a porté le boulot, il a pendant ma part là, il a laissé pour porter le boulot. Il va à l'Haïti, il va à Miami, il va à les États-Unis. Parce que le nom de Jean-Bert Aristide aussi est inscrit. Donc tout ça, c'est des bagages qui sont prêts à être opposés. Parce que les blancs finissent d'avoir avant, ils finissent pas besoin. Quand j'ai trouvé dans le patron, ils pas besoin. Maintenant, c'est ça le fond de comme des exemples solides. Pour prochain président, prochain sénateur, prochain député, prochain monde qui va diriger le pays. Au cas blanc, inévitable. Si on comprend que vous êtes capable de faire pays d'Haïti, tout est communiste, au caca. Si on comprend que la Russie va venir aider là, pour venir vous mettre avec les États-Unis, en bas boucher là, au caca. Au caca. Les États-Unis, la Russie a 80% de venir d'Haïti. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre, nous-mêmes qui faisons politique en Haïti, pour nous comprendre que Haïti d'abord, c'est une plus gros bagaille pour nous faire, c'est Haïti d'abord. Tout autant que nous ne construisons pas le pays pour blancs respecter nous, soit qu'on fait là, regardez, il n'y a pas foutu faire ou l'autre côté, même la République dominicaine. Je me rappelle, moi, il y a 2 ans de ça, attendez bien, ça m'a dit, après, on va contracter ça. Le député de Santiago, je me souviens pas de son nom, volé avec passeport diplomatique, visa, privé aux États-Unis, il y a arrêté.
député Saint-Domingue, député Santiago, il n'y a pas un an depuis le remettre démission. Je fais plus que 3 ans, disons, 4 ans, s'il pas plus. On y a mandat fini parce que bon, l'élection est faite. Il a arrêté, monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur est en prison. Pour qui ça, aujourd'hui, il dit que. Mais ça, il dit sur Michel Maté. Et puis, il dit tout que qu'il a levé sanction n'importe qui. Et il dit tout, il n'y a pas de sanction ça pour un meilleur deal. C'est pour pas faire ça encore. Soyez mon juge qui dit ça, j'ai dit qu'il n'a pas fait ça. Allez, pas faire ça encore. Donc, ça, il faut me dire mon yoli. C'est pour nous dire mon yoli qu'il est très important que nous gardions. Nous gardions là avec un aspect de comme si nous avons quelques moments matériels, voler, assassiner. Hey, oui, ok. Pas de problème. Mais il faut nous garder politiquement. Il faut nous garder là. Pour nous dire, il n'y a pas qu'à gommer. Avec les États-Unis. Mais tout le monde le sait. Et ça fait qu'on a couru des nègres et Moyo et Moïse Charles Captrip qui baissait pour le pouvoir. Mais je dis à la Venezuela, il y a des problèmes. Moi, je ne vais pas le supporter. Moïse Charles, pas même font texte. Et pour Petit de Sal, nous font texte pour lui dire que le Venezuela, blanc américain, pas entré. Dans l'intérieur de Venezuela. À l'ouest Maduro. Ou de gauche, ou tout en haut de Rouzou. À l'ouest Maduro. C'est même des chrétiens qui ont crié bon Dieu avec la Bible dans le de tous les côtés. Et puis, comment ils font un accident, ils disent bon Dieu, sauvez. Mais il faut aller à papa. Pour qu'ils soient pères, aller à papa. Et moins pour paix. Parce que même, je ne sais qui. Quoi, un chita devant la Bible, devant. Non! Je me juste quoi là, bon Dieu. Je me juste fait ça pour me faire. Je me juste pas là, bon Dieu, pas maintenant. Que je pensais qu'il existait, et puis là, tu sais. Moi-même, je suis à l'église tout le temps, je suis à ou on fait 20 nuits, 9 jours, 19 jours, 20 jours. Bon, ça me permet de venir, papa, nous, les gens qui font un petit accident. Au contraire, elle nous fait accident, puis à casser, couper pour nous, pour ne pas souffrir, pour ne pas papa nous direct. Même si vous avez ouvert tout la tête, papa nous va là, papa nous allait. Ah, mais c'est la même chose. C'est la même chose pour la politique. Je vous dis à bon Moïse Jean-Charles, allez jouer le Venezuela. Faut que tu sois dans le monument, il faut avancer. Michel Maté dit dans le droit, hey, Michel Maté dit pour le défendre. C'est pour les États-Unis. Bail Michel Martelly opportunité de se défendre. Nous pas qu'à faire des bagailles au nom de la démocratie et puis avec de la dictature. Même je vous dis, non, il faut avoir opportunité pour me défendre qui l'aime de l'autre, qui boit, qui joue, qui machine, qui plaque. Côté, je photo, ça, qui est-ce qui me défendre? Il faut savoir pour lui. Donc maintenant, nous sommes libres pour nous. Ça m'étonne de dire. Ambassadeur américain clair que c'est politique, homme politique en Haïti, Kabayo, ça y aurait les monde pour y mettre la liste. Pour y sanctionner. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.